Et cette information, les prisonniers politiques et d'opinion seront libérés incessamment, c'est un processus. C'est donc le propos du président du Conseil national de suivi de l'accord, Joseph Olengankoy, au sortir de l'audience que lui a accordé le président de la République, Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi. Les détails dans ses commentaires, suivez. Cette rencontre entre le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et les présidents de CENSA, à la Cité de l'Union africaine, rentre dans le cadre de la libération des prisonniers politiques et d'opinion, tel qu'annoncé au cours de sa dernière sortie politique à Limété. Le président de CENSA a dit avoir examiné avec le magistrat suprême des dossiers en rapport avec des politiciens congolais partis en exil et les dossiers Kamwena Sapo. Joseph Olengankoy a fait savoir que la libération et les dédommagements des familles des victimes n'est qu'une question de temps. Il a indiqué que le ministre de la Justice jouera un rôle important. Que la mission de son institution prendra fin avec la clôture de toutes les élections prévues au calendrier de la CENI. Je suis venu rencontrer le chef de l'État en ma qualité du président du CENSA. Et je crois que vous savez qu'il y a eu un accord et dans le cadre de l'exécution de cet accord, dont notamment la libération des prisonniers politiques et d'opinion, le retour des exilés, mais aussi ce que l'accord a prévu pour dédommager les partis politiques dont leurs sièges ont été détruits, les familles ayant perdu les leurs lors des événements de septembre 2016. C'est tout ça que nous avons fait à Révis avec le chef de l'État. Il était très attentif. Comme vous le savez, il avait déjà annoncé ça. Et nous avons discuté sur l'ensemble de tout ça. Mais il faut dire que nous avons déposé aussi la liste à son appréciation. Alors, à ce qui concerne les cas des prisonniers, je crois qu'ils seront libérés. Et comme vous le savez, c'est à la charge du ministre. Il y a une partie où c'est à la charge du ministre de la Justice. Vous savez, c'est dans ses prérogatives. Les 600 n'est qu'un facilitateur qui vient auprès des autorités concernées. C'est un compatriote et tous les compatriotes concernés recouvrent leur liberté. Cela dit, voici les ordonnances signées par le président de la République. Ordonnance numéro 19-023 du 12 mars 2019 portant mesures individuelles, individuelles plutôt de grâce. Le président de la République ordonne. Article 1er. La remise de la peine restant à subir est accordée au condamné Franck Diongo pré-qualifié. Ordonnance numéro 19-024 du 12 mars 2017 portant mesures individuelles de grâce. Le président de la République ordonne. Article 1er. La remise de la peine restant à subir est accordée au condamné Firmin Yangambi Liboté pré-qualifié. Ordonnance numéro 19-025 du 12 mars 2019 portant mesures individuelles de grâce. Le président de la République ordonne. La remise de la peine restant à subir est accordée au condamné Tuite Kalumba, Kalonji Mukeba, Mbav Kabwant, Kazati Bukasa et Kabemba l'UMB pré-qualifié. Ordonnance numéro 19-026 du 12 mars 2017 portant mesure collective de grâce, le président de la République ordonne. La remise de la peine de servitude pénale principale ou des travaux forcés restant à subir est accordée à toute personne condamnée par une juridiction civile ou militaire à la suite des manifestations publiques ou des réunions politiques intervenues entre le 1er
janvier 2015 et le 31 décembre 2018. Il faudrait aussi souligner ici que la grâce prévue à l'article commun n'est pas accordée aux condamnés fugitifs ou latitants, aux personnes condamnées pour infractions relatives aux violences sexuelles, corruption, concussion, assassinat, meurtre, viol, vol à main armée, trahison, association de malfaiteurs, atteinte à la sûreté intérieure et extérieure de l'État, détention illégale d'armes de guerre et toute infraction contre l'autorité de l'État et l'intégrité du territoire prévue par les articles 195 à 199 du Code pénal congolais, livre 2, crimes de guerre, crimes contre l'humanité et crimes de génocide. Excellence, pouvons-nous dire qu'il s'agit là? C'est tout comme mesure. Non, il y en a beaucoup. Et il y a des mesures qui sont de la compétence du ministre d'État de la Justice, garde des Sceaux. Et à ce titre, je voudrais vous dire, vous annoncer, que le ministre d'État de la Justice a signé deux arrêtés qui portent mesures de libération conditionnelle aux personnes, plus de 700 personnes qui se retrouvent dans les différentes juridictions de notre pays, que ce soit dans la province de Olomami, que ce soit dans la province du Congo central, puisque je ne vais pas citer tout ça, que ce soit dans la province du Kwango, dans la province de Otuele, province du Nord Kivu, province du Sud Kivu, province province de Kinshasa. Il y a aussi un deuxième arrêté, toujours en rapport avec la libération conditionnée, qui concerne la province de l'Ituri, la province de la Tchopo, la province du Nord-Kivu, encore une fois, la province du Kasaï central, la province, je crois que c'est tout, ça a été signé par le ministre d'État de la Justice et garde des Sceaux. Mais il y a plus de 700 personnes, et comme vous l'avez souligné, il y a cette ordonnance portant grâce collective du président de la République, et nous avons insisté et précisé que les personnes qui, par inadvertance, ou qui serait l'objet d'un oubli de la part de la commission qui a travaillé, ces personnes-là qui remplissent les conditions de la grâce présidentielle peuvent être considérées comme libres et doivent se signaler. Un jour de grâce pour plusieurs personnalités, pourquoi pas en faveur de Jovin Dongala. Ah, très bien. J'ai bien fait de poser la question. La question de Jovin Dongala, effectivement, a été examinée. Le président, c'est un légaliste. Il y a le ministère de la Justice, donc il fallait voir tous les contours de la question. Moi, je vous parle, la question a été vidée totalement. Le ministre Tambo, qui se trouve actuellement à Kindu, revient ce jeudi et il va signer l'arrêté portant libération conditionnelle de prévenu notre frère Diomi Ndongala. Donc, on ne l'a pas oublié. Excellence, je reviens à vous tout à l'heure. D'abord, cette ordonnance. Ordonnance numéro 19/020 du 8 mars 2019 portant nomination d'un assistant du conseil spécial du chef de l'État en matière de sécurité. Le président de la République ordonne et nommé assistant du conseil spécial du chef de l'État en matière de sécurité, M. Roger Kibé Lissa. Alors, Excellence, il y a aussi des ordonnances, nous apprenons, il y a aussi des ordonnances portant suspension des ministres et de deux mandataires. Oui, ce ne sont pas des ordonnances, puisque vous savez, le ministre relève du chef du gouvernement. Le président de la République est chef de l'exécutif et il veille au bon fonctionnement de toutes les institutions, surtout à l'éthique, aux mœurs et à la déontologie recommandée
un mandataire public surtout a des fonctions aussi nobles et élevées comme celles des ministres. Donc le président de la République a décidé, pas de façon brutale, après que nous ayons discuté avec le Premier ministre à plusieurs reprises, c'est la question du ministre concerné. Il s'agit du ministre des Affaires foncières, M. Lumeya. Le président de la République avait demandé au Premier ministre lui-même de demander au ministre concerné, Lumeya, de rapporter les arrêtés qui avaient été pris par lui en violation des droits des Congolais et des étrangers, de la propriété tout court, ou des arrêtés pris en violation de la loi. C'est ainsi que, ce jour, je viens d'adresser une lettre au Premier ministre sur, au nom du Président de la République pour informer le Premier ministre qu'en considération de nombreuses décisions et divers arrêtés pris par le ministre Lumeya, d'où Malegui, ministre des Affaires foncières, en violation flagrante de la loi et des droits des tiers, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, me charge, là je m'adresse au Premier ministre, de vous instruire de procéder toutes affaires cessantes à la suspension de l'intéressé de toutes ses fonctions du ministre des Affaires foncières et de requérir le procureur général près la Cour de cassation pour l'ouverture d'un dossier judiciaire contre ce ministre. Donc ça, c'est une première action contre l'impunité. Parce que nous ne pouvons pas comprendre que nous ayons tenu plusieurs réunions pour demander au ministre de rapporter ses arrêtés sur des lotissements à des endroits interdits, sur l'expropriation des citoyens, le ministre ne fait rien. C'est l'insubordination. Et quand le Premier ministre, à son tour, ne prend pas de décision, le président s'assume. Et donc, vous pouvez considérer qu'à dater de ce jour, le ministre est effectivement suspendu et une action judiciaire sera ouverte à son encontre. Nous avons aussi aujourd'hui adressé à Monsieur le Président de l'Autorité de régulation de la Poste et des télécommunications au Congo, APTC en sigle, qui relève de la Présidence de la République. Il avait dressé une suspension de toutes ses fonctions à la suite des indices sérieux d'actes de mégestion à sa charge et tenant compte de l'insubordination dont l'intéressé a fait montre vis-à-vis de la hiérarchie. Et donc, à dater de la publication de cette lettre que je lui ai adressée, il s'agit d'une mesure très, très importante pour que tous les autres mandataires publics comprennent que c'est effectivement la fin de la récréation. À partir de ce moment, c'est son vice-président qui va assumer son intérim. Nous avons aussi une autre lettre de suspension que nous avons adressée ce jour au Premier ministre, chef du gouvernement. Nous avons posé la question pourquoi pour l'RPTC, nous avons pris la décision directement et adressée à l'intéressé, mais pour le cas de l'entreprise qui sera concernée tout à l'heure, nous passons par le Premier ministre, parce que c'est une entreprise qui est sous tutelle du portefeuille et des ministères des travaux publics, donc le chef du gouvernement doit instruire les ministres concernés pour matérialiser ou prendre acte de la décision du président de la République. Il s'agit de la suspension du directeur général et du directeur général adjoint de la Société congolaise de transport et port, ex-ONATRA. En considération des indices sérieux d'actes du directeur. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, m'a chargé d'instruire le Premier ministre qui va
à son tour instruire le vice-premier ministre, le ministre des Transports et Communications et madame le ministre du portefeuille de procéder toutes affaires cessantes à la suspension des intéressés de leurs fonctions de directeur général et de directeur général adjoint et d'y diligenter une mission d'audit. Voilà, la série va certainement continuer, mais nous n'avons pas fait de l'arbitraire. Donc pour arriver à ces mesures, nous avons pris un mois. Et donc nous avons des documents, nous avons des rapports et le droit à la défense est garanti à tout citoyen congolais. La présomption d'innocence, là maintenant ça devient le travail du procureur près de la cour de cassation. Séparation de pouvoir oblige. Oui, Excellence, ce n'est pas tous les jours qu'on vous reçoit sur ces plateaux. Actualité oblige, vous avez été à Kigali au Rwanda, comme émissaire du président de la République. Pourquoi pas Kigali et non les autres capitales, les autres pays? Je ne sais pas. Le Rwanda, c'est notre voisin. Nous sommes condamnés et par l'histoire, la géographie et la culture de faire en sorte que nous vivions en bonne entente. Nous avons vu la France et l'Allemagne qui ont connu des guerres atroces mais finalement sont devenus des deux complices dans le cadre de l'Union européenne et ceci est parti de l'intérêt commun autour du charbon. De savourer cette ère de paix et sont entrés justement de faire autre chose que de se battre, ça donnait au travail de l'amélioration des conditions de vie, donc j'allais dire le développement. Donc j'étais porteur du message du président de la République auprès de son homologue du Rwanda, Paul Kagame, justement parce que les gens qui n'ont pas encore en mémoire les discours du président lors de son investiture, il avait dit qu'il allait instaurer avec la collaboration de tous ses pairs la paix dans la région des Grands Lacs, mais la paix et surtout une coopération gagnant-gagnant avec tous nos voisins. Et donc, on ne va pas divulguer les contenus, mais il s'est agi essentiellement de la sécurité. Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ne peut pas dormir tranquillement tant qu'il sait qu'au Nord Kivu, au Sud Kivu, dans l'Ituri, une partie du Kasaï central et du Nord Katanga, les gens continuent à mourir. Il a fait de la paix sa priorité. Et comme vous le savez, sur notre territoire, il y a des groupes étrangers qui viennent du Rwanda, du Burundi et de l'Ouganda. Donc cette mission aussi, c'était pour présenter le plan que le président de la République démocratique du Congo voudrait partager avec ses pairs pour justement rétablir la paix, mais aussi passer à l'essentiel, c'est-à-dire au développement intégral de la région des Grands Lacs. Nous irons aussi, et nous voulons le dire avant pour que ça ne soit pas comme un scoop des réseaux sociaux, je voudrais informer ici l'opinion nationale et internationale que je conduirai la même mission et porteur du message du président de la République à Bujumbura auprès du président Nkurunziza. Je ferai la même mission auprès du président Museveni à Kampala, en Ouganda. Et je crois qu'il n'y a rien qui peut remplacer la paix. Et quand nos enfants continuent à mourir, nos filles, nos mamans continuent à être violées, il est de notre devoir de nous lever et de prendre les mesures qui s'imposent. Voilà, la mission s'est bien passée au Rwanda. Nous avons vu le président lui-même qui nous a bien accueillis. Nous lui avons donné ce message sans furiture, sans commenter de notre part. Et nous remercions le gouvernement rwandais pour l'accueil qu'il nous a réservé. Voilà, donc nous vous remercions, Excellence, pour d'être venu plutôt sur ce plateau, pour donner toutes ces précisions. À vous aussi, madame, messieurs, qui nous avez suivis attentivement. Merci donc de nous avoir suivis. Bonsoir, chef.